Dieu est grand. Que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur n'est jamais vain. Ah, toujours fidèle, toujours fidèle. Et son chemin s'acte. Ah, même si les choses, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, persévère. Oh. Quand il dit yes, la chose arrive. Quand il l'entend, elle est ici. Son regard est sur ce qui lui appartient. Lui appartient. Vous chantez avec nous. Persévère. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Persévère. Persévère. Persévère encore. Persévère. Persévère. Encore une fois. Persévère. 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 Alléluia. Nous voulons persévérer dans le chemin. Persévère. Nous voulons persévérer dans la voie. Alléluia. Car sa parole est s'accomplira. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Jésus. Alléluia. Nous voulons bénir le roi des rois. Alléluia. Et le lever sur toute cette nation. Alléluia. Yes. Jésus. Bénissons ton nom. Alléluia. Jésus est levé partout. Nous voulons voir le roi des rois s'élever au-dessus de cette terre. Alléluia. Je veux le dire avec un peuple. Nous voulons voir le vivre. Nous voulons voir Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étendard sur ce pays. Et pour montrer. Pour montrer à tous la vérité. Ah, et le chemin. Et le chemin vers et le ciel. Nous voulons voir Jésus. Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays.
peut pas acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes, Lord. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, alléluia. 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 Thank you.
confessions son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifions son nom. Il est roi, il est vraiment son roi. Royaume, son royaume, son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu Tout-Puissant. Ha! Merveilleux conseiller, le prince. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Est-ce que tu peux continuer de l'acclamer en poussant des cris de joie? Bien-aimé, on n'acclame pas une majesté étant assis. On n'acclame pas un roi étant assis. On ne te parle pas du roi du Maroc. On te parle du roi des rois. Et puis tu ne pousses pas des cris de joie. Est-ce que l'épouse peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'épouse de Christ peut balancer les mains? Est-ce qu'une épouse qui a l'intimité avec son époux peut commencer à lui parler ce soir? Vous savez, quand tu as l'intimité avec quelqu'un, tu sais ce qui réjouit son cœur. Tu ne perds pas du temps avant d'entrer dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à son époux? Est-ce qu'un habitué dans la présence du Seigneur peut commencer à brader au Seigneur? Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons plus que tout autre chose. Seigneur, nous te désirons bien plus que tout autre chose. Seigneur, tu es ce que nous recherchons ici en ce lieu. Nous désirons tellement plus de toi, Seigneur. Yeshua, ma providence. Yeshua, mon abri. Yeshua, mon ami. Yeshua, mon tout. Yeshua, viens, allons depuis les collines de Jérusalem. Moi, je suis ton épouse passionnée qui n'attend que de danser avec toi. Ah. Viens, allons depuis les collines de Jérusalem. Moi je suis ton épouse passionnée qui n'attend que de danser avec toi, Yeshua. Yeshua, tu es celui que je désire bien plus que toute autre chose. Tu es mon abri sûr, tu es ma source de joie, ma paix. Tu es celui qui m'a aimé le premier, celui qui n'a pas regardé à sa divinité, mais qui s'est livré à la croix de Golgotha pour moi. Tu es ma paix, tu es ma joie. Est-ce qu'un intime peut commencer à parler à son époux? Ah, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous te désirons.
Seigneur, tu es tout ce que nous recherchons. Tu es plus précieux que l'or, que l'argent. Et la bandade des sauts. Le plan que Dieu avait tracé, c'est un plan d'intimité. Lorsqu'il avait créé ce monde, il a créé Adam et Ève et les a mis dans un seul lieu où ils partaient les visiter chaque jour. Il aurait pu créer 10 000 personnes, il en avait le plus, mais il a créé 2 autres personnes seulement. Avec qui il prenait le temps d'échanger. Notre Dieu est un Dieu d'intimité, un Dieu qui aime sa créature. Est-ce que ton cœur est toujours attaché à ce Dieu? Est-ce que ton cœur est toujours attaché à ce Dieu? Le pouvoir à toi.
Salut un ami que tu ne connais pas, un frère à côté, et dis-lui bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Alléluia. Quelle grâce. Amen. Merci au groupe musical, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est excellent. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, je sais qu'il n'existe un grand Dieu. Qu'il existe un grand Dieu. Qui n'abandonne pas. Oh, baby.
Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle? Frère, tu es béni. Dis, je suis béni. Vous savez, moi j'aime bien la session de 14h là. C'est entre les hommes de Dieu, tu vois, les gens sérieux qui veulent aller loin là. Voilà, ils payent le prix. Amen. Alléluia. Et je sais que tu vas retourner encore une bénédiction. Et si Dieu permet, on va quand même, quand il va finir d'enseigner, je vais lui donner, je vais permettre qu'il ait une vingtaine, une trentaine de minutes pour prendre quelques questions majeures, parce que vous êtes des hommes de Dieu. Et l'objectif, c'est l'impact. Vous savez, on prêche pourquoi? Si ce n'est pas pour que les vies changent et que le ministère évolue et que... Voilà, c'est pour ça qu'il est là, il a pris son billet, il est venu. Et donc, on va, il va parler. Il va te parler. Mettez-moi la chair en bas, je veux qu'il soit face à face avec nous. Mettez ça là-bas. Voilà, là on est ensemble. Mettez ça là-bas. Bon, là, il est devant toi et puis on se parle. Après-midi, là, ceux qui n'aiment pas venir là, c'est leur problème. Il faut leur dire ça. Nous, on est là. On a toute l'année pour dormir, des histoires comme ça. Oui. Faire les siestes, tout ça, on va faire ça après. Mais pour le moment, on va maximiser. Quand tu vas changer ta voiture, tu vois ta Maybach, si quelqu'un parle, Dieu va le gifler. Parce que les sacrifices, tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous un instant. Le pasteur Silas est venu avec quelques bouquins. J'ai dit, il faut que tout le monde puisse prendre son bouquin. Ton mariage, ta destinée. C'est un tout petit manuel. Et je sais qu'il y a des secrets dedans qui peuvent t'aider. Les prix sont là. On va vous les donner à la table de publication quand vous allez directement. Et ça, c'est un recueil de sagesse. Sagesse et destinée. Et il y a beaucoup de paroles fortes qui peuvent... Je te lis une parole. Je cherche une parole choc. À l'église, je prêche la sanctification et à la nation, je prêche l'intégrité. Tu vois ça là, ça veut, c'est, tu peux développer toute une thématique là-dessus. C'est profond. Alléluia. Cette figure de femme, s'il y a une maman pasteur ici, elle doit avoir ça. Manifeste ta force. Tes talents t'ouvriront les portes dans la vie. C'est pas faux. Alléluia. Et des rois et des sacrificateurs exercer le mandat de la domination. Vous voyez, ça va avec tout ce que nous sommes en train d'enseigner depuis un moment donné. Donc moi-même je vais prendre pour moi d'abord. Alléluia. Et je vous vraiment encourage à prendre ces livres, elles vous feront du bien. Alléluia. Et tu peux bien sûr ajouter le mien, le dernier sur devenir riche pour Dieu. Mais j'ai Les hommes de la race de Dieu, qui est un livre que j'ai écrit à un moment donné qui est très important. J'ai également commencé et bien fini sa vie. Dieu est-il coupable? C'est une question. J'ai les vérités sur les prières non exaucées. Vous pouvez voir ça à la librairie. J'ai quoi encore là? Réussir sa vie, tome 1. Et puis, protocole d'accès à la gloire de Dieu. Et puis, le transfert de l'iniquité.